Salutations, ladies and gentlemen! On se retrouve pour un jour un épisode toujours hardcore, toujours sans dormir, toujours à la chasse au progrès, dans un bastion du Nether, parce qu'on cherche un motif de forge qui nous permettrait de transformer nos armures en netherite. Et pour l'instant, on n'a pas eu méga beaucoup de chance sur ce point-là. Mais on en a quand même récupéré un modèle de forge, celui de l'ornement des groins. Donc, ce qui doit décorer votre armure avec deux petits points comme des groins. Mais c'est pas celui-là qu'on voulait. Ok, alors. Par là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, j'avais laissé des coffres tout à l'heure. Donc peut-être que dans ces coffres, il y a aussi matière à trouver quelque chose. Là, on voit qu'on peut descendre dans la deuxième partie. Hop. Du bastion. Attends, ça appelle ça des forteresses, je sais pas pourquoi. Hop. Et on va chercher d'autres coffres. Et éventuellement d'autres brutes à éliminer avant qu'elles ne nous éliminent. Donc là, il y a un bon petit tunnel de lave, là. Hop. À éviter. Et je vois pas de coffre, par contre. Ça, c'est pas cool. Alors, c'est déjà lui, si on pouvait le calmer un petit peu, ce serait bien. On pourrait même faire un truc comme ça. Hop. Si j'arrive à viser là-bas, comme ça. Et donc, dans l'idée, ça pourrait être de poser un bloc là. Un bloc là, voilà. Et si j'en mets un ici. Ah, ça va enlever la lave qui coule en dessous. Ça m'évitera des petits accidents de parcours. Ah, j'ai cru voir un... un truc qui ressemblait à une brute, mais bon. C'était peut-être qu'un piglin normal. Elle est bizarrement faite, ce bastion. Et je vois plus de brutes, hein. Je vois beaucoup de piglins un peu partout, mais je vois plus de brutes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Hop. Là, c'est quoi ça? En bas, là. Pigmen. Ok, là-bas. J'ai vu quelque chose. Je vois pas de coffre par contre dans cette zone là. Ah, j'ai cru voir du noir là. Là. C'est pas une brute ça? Non, ça a l'air d'être un piglin normal. Ok, tout va bien. Tout va bien. Tout en bas. Punaise, elle est... Il est bizarre ce bastion. J'ai déjà dit, je crois. Il est très bizarre. Il est très abîmé, ce qui m'oblige à poser des blocs pour descendre. Ok, par là, rien. Par là, hop, hop, hop. Oh, j'ai entendu un son chelou. Ouh, de la lave, pas cool. Pas cool, pas cool. Pouf. Pas de brutal. Oh! Il y a de la verrue du Nether! Ça, c'est une bonne news. J'entends des sons qui me plaisent pas. Toujours un doute entre eux. Ah, là, il y a un bloc d'or. Et là-bas, il y a un coffre. Là-bas, il y a un coffre. Ok. De ce côté-là, est-ce qu'il y a un coffre? Non. Ok. Ah, la verrue du Nether, déjà, ça, j'en veux. Ça, j'en veux. Parce que, clairement, j'en ai besoin pour faire des potions. Et j'en avais pas. Et j'en ai toujours pas, punaise! Ah, ouf. Un petit progrès au passage. Alors là, il y a un bloc d'or à récupérer, mais il y a beaucoup de piglins dans le coin, donc ils vont tous me tomber dessus. Là, il y a un coffre, ils vont aussi beaucoup tous me tomber dessus. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit abri anti-piglin. Voilà. Tout simplement. J'ai pas... C'est dingue, ça. Ce que j'ai balancé, c'était ce que j'avais le plus. C'est pas grave. Comment on va faire?
On va faire un truc, parce que je voudrais pouvoir les taper. Pour bien faire. Je voudrais pouvoir les taper. Tac. Tranquillou. Quand ils seront fâchés. Ah, évidemment, ça, ça m'enquiquine, ça. Voilà. Ici, je pourrais les taper. Donc là, bam, bam, on les empêche de venir m'enquiquiner. Voilà. Donc là, je peux ouvrir mon coffre tranquille. Et ornement des groins encore. Punaise, j'ai pas de chance. Agilité des jambes, ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Hop, donc là normalement, tous les piglins sont énervés. Et veulent ma mort. qu'est-ce que je vais lâcher? Je vais lâcher le sable des âmes, je peux en avoir plein. Ok, donc là normalement ils sont tous énervés. On va essayer de les taper. Voilà, on va tous se les faire comme ça. Tant pis pour eux. Oup, 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 oup. Allez, venez les énerver là. Y'en a plus? Oh, ça m'étonne qu'il n'y en ait plus déjà. Tiens, là-bas. Ils sont pas énervés eux? L'autre avec son arbalète là. Voilà, donc pourquoi sont-ils énervés, vous dites-vous, si vous ne jouez pas souvent à Minecraft? Eh bien parce que j'ai ouvert un coffre et j'ai pris de l'or en plus. Et ça, ça les énerve parce que c'est à eux l'or. Voilà, c'est leur principe. Bon, on va quand même tenter par là. On va les bastonner, hein. Hop. Ils sont peut-être calmés, là. Ah, il est déjà calmé, dis donc. Ça dure pas très longtemps, hein. Vous vous énervez vraiment pour pas grand-chose, messieurs. Donc là, on va faire la même, puisque monsieur va vouloir nous canarder clairement dès que je vais prendre ce bloc d'or. Voilà, récupération du bloc d'or. Voilà, il est fâché, c'est normal. Hop, mauvais endroit, mauvais endroit. Tiens, ah, il peut me tirer dessus là. Voilà, un de moins. Ah, mais non, d'où tu sors, toi? D'où tu sors? Ouah, punaise. Ah, il pouvait tomber par le plafond. Je me suis pas protégé du plafond. Punaise. Ah, la frayeur. Ah, zut. Alors là, excès de confiance, là, sur ce coup-là. Ah là 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 là, c'était chaud, ça. C'était chaud. Est-ce qu'il y en a encore des énervés, là? Ah, puis je peux pas passer par là. Plus personne d'énervé, là. Bon, j'ai toute ma vie, mais quand même. Faire gaffe. Il s'énerve, hein. Il s'énerve, les petits monsieur. Tout ça pour un petit bloc d'or, en plus. Alors, si je retourne par là. Là, il y a du gravier. C'est peut-être dangereux, ça. On va passer par là, plutôt. Hop. Hop, hop, hop. Ils me font peur avec tous leurs sons, là. Alors, est-ce que par là, il y a un coffre? Il y a de la lave, surtout. Il y a de la lave. Il n'y a pas de coffre. J'en vois pas. Donc, on va commencer à remonter. On va commencer à remonter. Oh, j'ai des épisodes comme ça qui me stressent, là. J'ai l'impression que... Autant il y en a qui passent vite, autant il y en a qui passent très lentement. Alors, on va essayer de remonter... Tranquillou. Là en face, est-ce qu'il y aurait eu un coffre? Parce que tant qu'on est en bas, peut-être prendre le risque, hein, d'aller en face. Hop. Ouais, bah, je peux passer par là, hein, sans poser du bloc. Hop. Bon, a priori, tous les piglins énervés sont morts ou partis. Donc, on est bien. Hop. Voilà, normalement, je peux passer par là, par là. Il faut vraiment que je me fasse une petite potion résistance au feu. Ce serait bien. Parce que ça me rassurerait si je tombe dans la lave. Même si je ne suis pas très bon pour me sauver de la lave moi-même comme ça. Enfin, jouer de la potion. Il n'y a pas de coffre, hein, de ce côté-là.
Non, il n'y a pas de coffre. Bon, bah, on va remonter sur les coffres qu'on avait vus tout en haut. On va remonter. Bon, déjà, il n'y a plus de brut. Bon, j'ai deux motifs de forge, mais pas celui que je veux, c'est ballot. C'est ballot. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, en fait, dans les bastions. Et bah, forcément, maintenant, bah, il y en avait deux possibles. Et j'ai eu celui que je ne voulais pas. Hop. Par là, quand même, on garde. Bon, il n'y a plus rien par là. Je pense que j'ai pris en bas ce qu'il y avait à prendre. Il me reste donc dans ce bâtiment-là. Hop, à retourner. Et me faire les coffres que je n'ai pas ouverts. Par où je suis passé? Par là. Par là, par là, par là. Là, j'ai dû descendre. Faisons gaffe, hein. On sait jamais. Il peut rester une brute. Là, dans les profondeurs, ici j'avais pris un coffre. Ok. Tac, tac, tac. Par là, il n'y a rien. Là, j'étais passé par là. Non, je pense que j'ai fait le tour de ce bastion. Il y a un coffre là que je n'ai pas ouvert. Oh, puis une petite lanterne qui traîne comme ça, gentiment. Toute seule. Alors, pouf, au-dessus de ma tête, cette fois-ci, on va être prudent. Sur les côtés. Voilà, là, de toute façon, ils vont tomber dans le trou. Hop, hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il y a quand même une petite pioche en diamant avec efficacité. Ah, pas glop, 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 hein. Mais ça se prend quand même. Le reste, on va prendre. Hein. Hop. Le fer, est-ce que le fer, ça se garde? Bah oui, ça se garde, le fer. Pop, 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 pom. J'ai pas grand-chose à sacrifier sur moi. Les pépites d'or, on va prendre. Et l'arbalète, j'en ai déjà une. Elle est pas enchantée, donc on va laisser. Non, on va pas laisser parce que j'ai besoin du coffre. Par contre, j'aime bien les coffres. Voilà. Les coffres, ça peut me servir. Ok. Bon, bah, personne n'a foncé dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant. Je pense qu'ils sont énervés, mais pas. Mais plus loin. Il doit y avoir une portée aussi, quand même, où ils s'énervent, les messieurs, dames. Ok. Donc là, je suis revenu par là. C'est pas bon. faut que je remonte. Faut que je remonte. On va quand même essayer de remonter par là. Il me semble que j'avais laissé du coffre là-haut quand même. Alors est-ce qu'il est fâché lui? Non, il n'est pas fâché contre moi, c'est très bien. Donc là, faut pas que je descende, il faut que je monte. Écoutez, on va essayer de monter par là. Hop, 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 hop. Mauvaise idée. Bon, eh ben on va pas monter par là, on va monter par là alors. Ça a l'air mieux. Ok, on est bien. Hop. Ok, j'ai réussi à remonter à un endroit où je suis déjà passé, je pense. Oups là, attention, faites pas de bêtises, monsieur. Ouais, j'ai dû passer par là. Hop, hop. Voilà. Alors, on remonte. Et ben voilà, ici il y avait du coffre. Ah oui, mais c'est les coffres que j'ai déjà fait, ça. C'est les coffres que j'ai déjà fait, il me semble. On va quand même se faire une petite protection tout autour pour essayer de les refaire. Parce que j'ai un doute. J'ai un doute. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Non. Voilà. Là, on est bien. Tic-tac. Ici, on les bloque. Voilà. Là, je peux ouvrir. Et j'avais déjà laissé du bazar dedans, visiblement. Hop, on récupère ça. Bah, j'ai un peu de ficelle à récupérer, on la prend. Tu me tapes pas, toi. C'est étonnant. J'ai ouvert un coffre là pourtant. Mais d'où tu viens? Ah, tu es venu par en dessous. Tu es venu par en dessous. Ok, et tu m'as pas tapé. Il n'y a plus le truc quand... Ok, quand on ouvre un coffre... Il s'énerve plus. C'est étonnant. J'ai pris un gros risque là, m'enfermer avec lui et le taper, j'ai quand même perdu pas mal de cœur. Là, là, là.
Bon, là, ils sont tous fâchés, par contre, parce que j'ai tapé un de leurs copains. Ça, c'est normal. Donc, on va quand même se les faire. Il y en a d'autres, là, qui sont fâchés. Et ce coffre-là, il est... bah, j'avais déjà mis du bazar dedans, aussi. Ok. Bon, bah, j'ai récupéré ce qu'il y avait à récupérer, a priori. Tout le reste, c'est moyennement intéressant. Petite pépite, là. Hop. Ouais. Moyennement intéressant. Alors, où sont les fâchés? Parce que moi, il faut que je remonte. Il faut que je remonte. Je les vois pas. Ça m'enquiquine quand je les vois pas comme ça. Hop. Où êtes-vous? Je suis sûr que vous êtes un peu fâché là. Là, celui-là, il est fâché ou il est pas fâché? Avant de prendre le risque de montrer ma trombine, parce qu'ils étaient un peu nombreux, donc... non, il a pas l'air de m'en vouloir, lui. C'est étonnant. Ok. Ils sont pas fâchés, en fait. Non. Ils sont pas fâchés. D'accord. Je suis surpris. Agréablement surpris, mais surpris. Par où je suis descendu? D'où je suis viendu. pourquoi c'est bouché, là? Ah, il y a peut-être encore quelque chose par là. Sur le toit du monde. Bah non, j'y suis allé, en plus, sur le toit du bastion. J'y suis allé... Petit pigman qui m'attend, là. Ok, pas de coffre, pas de coffre. Et là, normalement, il y a mon petit passage. Voilà, il est là. Ah ! Je voulais éviter de tomber, je tombe quand même. Ok, eh ben, on n'a pas eu ce qu'on voulait, parce qu'on a des modèles de forge qui sont pas ceux que je voulais. Mais, bah, au moins, on a fait un petit peu de récolte, et puis surtout, on a eu notre fameuse... Nos fameuses... Oui, c'est mieux. Verrues du Nether. Donc ça, par contre, c'est cool. Donc comme je suis full inventaire, de toute façon, on va rentrer. Et puis, il va falloir qu'on trouve un autre bastion. Donc mince, la première citadelle que j'ai trouvée n'était pas terrible. Le bastion que j'ai trouvé n'est pas non plus terrible. Donc ça fait double peine. Il va falloir chercher les deux. Bah, c'est comme ça, hein. On va survivre. Ça m'enquiquine un peu quand même, je vous l'avoue. Alors, par où je suis venu? Sûrement pas par là. Bah crotte. Au final, mon petit passage de tout à l'heure était pas mal. Je suis pas venu par là, je suis sûr en plus. Hop, hop. Par là peut-être. Mince, j'en suis perdu. Perdu. Tududududum. Non, pas totalement perdu, je sais que c'est dans cette direction-là, mais c'est étonnant, ça, je retrouve pas mon chemin. Ah bah, j'arrive en plus au biome rouge, donc je suis carrément allé trop loin. Ok, c'est pas bon, ça. C'est quoi, là-bas? Ah non, c'est juste de la déco moche. Voilà, j'avais espéré une petite citadelle pour bien finir l'épisode, ça aurait été sympa. Ok, comment je redescends, moi? Comment je redescends de cette histoire? Bloom, 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 bloom. Wow! Oh là là, oui, ça aurait pas été une bonne blague, ça. Bah mince, alors là, quand même, pour le coup, je suis bien paumé. Comment je vais redescendre? Je sais qu'il faut que je redescende. Donc ça veut dire que je suis monté trop, ça aussi, tout simplement. Ça veut dire que je suis monté trop. Oh! Oh, oh. Finissons nos phrases. Ok, donc par là, par là, par là, par là, par là. Et par là, et par là. Ta, 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 ta. On fait attention au trou. Nom d'une pipe.
Comment diable est-ce possible? Oh, je suis carrément au-dessus de ça. Ok. Ah oui, alors je suis carrément trop haut là. Ok. Écoutez, bah, l'épisode se termine en plus, donc il va falloir quand même trouver une solution. Je suis pas perdu parce que je sais où je suis, mais je ne sais pas comment descendre. Est-ce que si j'avais un peu de chance et que je descendais au plus bas ici et que je creusais, est-ce que je vais me retrouver au bon endroit? Hop, hop, oh là là. Oh là là. Eh ben, peut-être. Peut-être. Peut-être même beaucoup. Parce que je crois que c'est l'entrée de ma mine Netherite. Eh oui! Oh, t'es trop fort! Trop fort! Je suis trop fort! Alors, on va quand même pas terminer l'épisode dans le Nether. On va retourner Fissa chez nous. At home. Yop, yop, yop. Je réfléchis un petit peu en même temps. Donc on va remettre pouf pouf, voilà. Donc bah, c'est cool, on a quand même récupéré des motifs de forge, des modèles de forge, mais c'est pas celui qu'on espérait. Ornement des groins, c'est pour de la déco. Prout, prout quand même. En plus j'avais déjà ce disque-là. Ça c'est moins glop aussi. C'est un peu décevant sur cette petite explo. Bon, on a quand même récupéré 4. Le bloc d'or, c'est pas mal. On a récupéré du fer, on a même récupéré du bloc de fer. Et surtout, on a les verrues du Nether. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très très bonne nouvelle, puisqu'on va tout de suite, tout de suite, tout de suite se faire une petite culture. Non, peut-être pas tout de suite. On va y penser pour demain. Voilà, je me garde les trucs pour demain. Agiter des âmes, ça c'est bien. On va pouvoir le mettre sur nos bottes. Donc, hop, mince, je me trompe. On va le ranger pour l'instant. Ploup. Un petit livre rangé, pic. Puis bah, tout le reste, c'est toujours ça de pris. C'est toujours ça de pris, moi je dis. Je dis, c'est toujours ça de pris. Hop, hop, j'ai plus de place. Ah, les petites obsidiennes pleureuses, à force, on va en avoir assez. Hein. On va en avoir assez. Ok, je voulais plus de coffres, ça tombe bien. On va les mettre dans divers pour l'instant. Bah ça, j'en ai en rab. On va les mettre dans divers. On a un peu d'équipement. Poum. J'ai oublié de mettre ça dans métal. Hop. On a quand même une pomme dorée. Et puis qu'on va trimballer avec nous, hein, parce que ça sert à rien de les stocker. Et ça peut nous sauver la vie. D'un petit peu de fil aussi. Tiens, je sais ce qu'on va faire avec les fils. Je vais les garder. Hop. Le livre, ben, le disque, vu que c'est du rab, on va le mettre dans divers aussi. Et on a notre pioche en diamant là, bah, qu'on pourra enchanter en espérant avoir enfin ce toucher de soie. Ok, bah on a de quoi s'occuper demain. En tout cas, à défaut d'avoir trouvé exactement ce qu'on voulait, on a fait une petite explo bien sympa et on a trouvé quand même des trucs assez intéressants. Notamment les verrues du Nether, ça c'est cool, ça va nous permettre de commencer à faire des potions. Et ça, c'est une bonne nouvelle et pour les progrès et pour notre survie. Donc on se dit à demain, si vous le voulez bien. Portez-vous bien. Ciao ciao! Thank you.